Salut tout le monde! Yo! Aujourd'hui, nouveau challenge, Mel doit me battre au bras de fer. C'est pas gagné, mais on vous explique le concept. À chaque manche, je vais devoir faire des exercices qui vont me fatiguer et de suite après, je vais enchaîner un bras de fer avec Mel qui sera toute fraîche. Elle est blessée, ça fait un an qu'elle fait pas de sport. Ça fait un an que je fais pas de sport, ça fait juste un an que je travaille pas mes épaules, mais qu'est-ce qu'il y a, toi? Et à chaque manche, il y aura de plus en plus d'exercices qui me fatigueront les bras. Donc Mel aura potentiellement de plus en plus de chances de remporter le bras de fer. Du coup, à vos pronostics, en combien de manches je vais battre Charles? Ok, la première manche, ça va consister à monter l'échelle d'Hercule. Deux descendre. Fois de suite. Non, c'est pas deux fois de suite. Si. Ah, c'était pas sur les règles, ça. Mais le. Non, non. Mais deux fois de suite, je vais mourir. Oui, c'est fait exprès. Bon, je mets toutes les chances de mon côté. Elle est restée bloquée en haut. C'est bien, tu vois. Là, maintenant, la deuxième, ça va vraiment faire. Là, ça a piqué, là. Allez. Moi, je suis pas assez fatigué alors. Sérieux? Pour le gage de Mel, on a trouvé à lui faire faire des squats. Et pendant qu'elle fait ses squats et qu'elle en chie bien, elle répond à un quiz. Allez, les ours, c'est parti. Attends, on va changer un truc. Pose la barre. On va rajouter du poids. Bah oui, on va rajouter du poids. À chaque fois qu'elle perd une manche, on rajoute du poids pour que ça soit plus dur. C'était pas mon contrat. La double ascension à l'échelle d'Hercule, c'était dans le contrat. À chaque manche qu'elle perd, on lui rajoute 3 kilos au total. Tac. Mais en toute façon, les ours. Non, mais maintenant, il faut qu'elle choisisse le thème, quoi. Les éleveurs australiens ont tué les derniers ours bruns d'Australie dans les années 50. Vrai. Il n'y a pas d'ours en Australie. Faux. Aucune espèce d'ours n'a colonisé l'Australie. Bah, j'avais raison, il n'y avait pas d'ours. Mais bon, t'as quand même donné une réponse fausse. Vrai ou faux, il arrive que des lions attaquent les ours. Les lions n'attaquent pas les ours car aucun ours ne vit en Afrique sur le territoire des lions. Tout simplement. Vrai ou faux, Kodiak est l'autre nom du grizzly. Kodiak comme la marque d'appareil photo. Et ouais, c'est vrai, Kodiak n'est pas un grizzly. C'est une sous-espèce de l'ours brun qui vit isolé dans les îles. De l'archipel en Kodiak. Je m'en bats les couilles. Malgré les apparences, la peau de l'ours blanc est noire. Vrai ou faux? De l'ours blanc? Ouais. Si c'est comme le cheval de elle développe, hein, elle développe. C'est sûr, il a pas que des poils blancs, tu vois. Après, elle peut juste donner la réponse et faire moins de squats. Eh ben non, c'est vrai. En fait, sa peau, elle est noire sous sa pelure blanche. Donc pour la deuxième manche, je remonte l'échelle d'Hercule et je passe après sur les anneaux. Attends, deux doigts, vas-y. Contre deux doigts. Contre deux doigts. Allez, 1, 2, 3. Je pense qu'on va atteindre les 5 manches. Ah, c'est plus dur à deux doigts. Ça fait trop mal. Allez, t'es reparti au squat, on ajoute 3 kilos. Je me fais gravement arnaquer sur cette vidéo. Je vais pas vous mentir, on va corser le truc pour le round 3. La manche 3, elle va être difficile pour moi. On va partir sur l'Australie, c'est un pays bien what the fuck, ça, c'est bien. C'est un pays bien que je connais pas. Bah c'est parfait. La conduite en Australie s'effectue du côté droit de la route, vrai ou faux? Ça je le sais. Ouais. Vrai? Eh ben non, c'est faux. Je savais pas du tout en fait. La capitale de l'Australie est Melbourne, vrai ou faux? Faux. Sydney? Non, c'est Melbourne. Mais Sydney c'est la ville principale. Tout le monde fait l'erreur. J'ai eu 3 au bac. C'est la question de piège. Les aborigènes d'Australie sont présents sur le continent depuis plus de 50 000 ans, vrai ou faux? Faux, ça fait beaucoup moins. Et non, c'était vrai. Sérieux? Bon,
Ça fait 50 000 ans qu'il y a des... plus de 50 000 ans qu'il y a des êtres humains. Bah oui. Bah je savais pas. Bon vous voyez on est complémentaires. Elle se bute au niveau du bas du corps, moi c'est le haut du corps. On va se fusionner à la fin de la séance. Hein. Manche numéro 3, on va corser un peu le jeu. Tu commences de plus bas, assis. Yeah, commence assis. Mais elle rajoute des règles au fur et à mesure. Mel a triché là. On serait au moins à 10. Non. 2 fois de suite. Allez, tu commences de plus bas. Assis. Non. 8. Non, non, t'as pas fini, il en reste 2. Vu que Mel a triché sur le 3ème round, elle va se taper la punition sur les squats. On lui rajoute des poids de 10 de chaque côté. Tu vas douiller. Oh, il y a un quiz sur Big Flo et Oli. Alors, j'ai vraiment une merde là. Ah, c'est pas la même. Hein. En écrivant une chanson avec Squeezie, Big Flo et Oli utilisent un petit Larousse pour trouver les mots. Vrai ou faux? Vrai. Ah ben non, c'est faux. Se font suggérer des mots venant du petit Robert par Squeezie. Oh, il joue sur les mots. Ça va. Le père de Big Flo et Oli vient de Realico. Vrai. Ensuite, Oli a un faible pour Emma Watson. Vrai ou faux? Vrai. C'est Emma Watson, tout le monde a un faible pour elle. Eh ben non. C'est Big Flo qui adore Emma Watson. Alors, la punition pour la tricherie du bras de fer à deux bras, hein? Allez, une dernière manche et je triche pas. Bon, quatrième et dernière manche, là on va tout donner, je vais vraiment me mettre au bout de ma vie. C'est la dernière chance pour Mélanie de me battre sans tricher. Là, j'utilise que les prises grises.
Attends. Allez, en bas. Bah, tu sais ce que tu fais? Pas. Ouah, c'est dur. Trois. Allez, doudou. Allez. Tu me remercieras. Allez, ramasse. Les burpees. Burpees avant. Allez. Combien? 10. Tu les sautes, hein. Allez, une. Deux. Je suis à feu. Non. 4. Allez. 6. Non. Mais quoi? Allez. 6. Mais non. Que tu vas voir toi. Allez. 7. Allez, doudou. 9. Allez. 10. Bah, faut que je mette mes chances de toutes les chances de mon côté, hein. Allez. Allez. 2. 3. Allez. 4. 5. Allez. T'as intérêt à me défoncer. 4. Mais depuis quand tu décides? À ma place. Allez, 5. C'est tout. C'est tout. Allez, dépêche-toi, parce que je récupère des forces. Allez, 1. À deux doigts. 'Perdu au bras de fer contre ma meuf. T'as roté. Ouais. Tu t'es bien battu, bien joué. Je pourrais dire que je me suis fait battre mettre à l'amende par ma meuf au bras de fer. Non mais mes muscles sont vachement bien ressortis quand même. Ah ben là c'est bon, t'es bodybuildeuse, hein. Si le concept vous a plu, essayez-le entre vous. Si jamais vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous au bras de fer, vous pouvez tout simplement mettez un pouce bleu. Tu partages. Et surtout, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, parce qu'on a plein des concepts comme ça, on va en faire plein. Pour terminer, est-ce que genre on peut faire une. Tu fais des pompes et je m'assois sur toi? Mais elle veut vraiment me finir. Elle veut vraiment me détruire là.